On a près de 18 nouveautés pour le millésime 2014. Ce sont des machines qui essayent d'apporter quelque chose au marché, donc qui sont plutôt innovantes en termes de rapport, de puissance, légèreté, facilité, compacité. Donc dans leur grande généralité, ce sont des motos qui ont du caractère, qui sont plutôt abordables, plutôt faciles à piloter. Cette année, on a deux nouveautés principales. La Vestro 1000 que vous pouvez découvrir un peu plus loin, donc Vestro 1000 ABS, qui est une nouveauté très importante pour nous, puisqu'il fait partie des segments des gros trails, c'est un marché qui est très porteur en ce moment. Et puis la deuxième nouveauté importante que vous voyez juste ici, c'est le Burman 125, donc on a des très grosses attentes également sur le marché 125. Voilà, donc deux nouveautés importantes pour notre marque. Retenons pour l'année 2014, un Peugeot Métropolis en année pleine. L'arrivée d'un scooter 50 cm3 et 125 cm3 qui s'appelle Django, qui se trouve juste derrière moi, avec la possibilité de configurer à l'infini un produit néo-rétro, mais également des renouvellements et des nouveautés. C'est Street Zone sur le marché des 50 cm3 qui prend la suite de TKR. C'est CityStar 50, c'est Satellis 400 et bien d'autres choses encore pour l'année prochaine.